Bonjour, je suis avec Jacques Bayon, qui sort en octobre un livre sur les loups. Jacques Bayon, rebonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Effectivement, en octobre, j'ai un bouquin sur le loup qui va paraître, un bouquin généraliste qui vise à répondre aux questions principales que se posent les gens qui ne connaissent rien a priori sur le loup. Mais avant ça, j'en ai fait beaucoup d'autres puisque je me suis un petit peu spécialisé dans l'histoire du loup dans ma région. Et ça, depuis les années 80-90. Donc, c'est pas mon coup d'essai. C'est juste quelque chose qui sera beau normalement, parce qu'il y a beaucoup de superbes photos qui viennent d'artistes, photographes animaliers de partout, de texte et de moi. Il y a une préface d'Alain Bougrat-Dubourg et de René Rojou qui sont des gens que je connais. Donc voilà, donc je suis impatient de voir ce que ça va donner. Alors, quelle est la situation du loup en France actuellement? Combien il y en a, où est-ce qu'on en trouve? D'abord, c'est une approximation le chiffre que je vais vous donner, parce qu'on ne les a pas évidemment comptés un par un. Donc en fait, les experts de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui gèrent tout ça, ont une espèce de modèle mathématique qui donne une indication sur le nombre, sur le chiffre, qui est en soi n'est qu'une estimation, mais qui est intéressante parce que quand on la compare avec les estimations de l'année d'avant ou de là où 3 ans avant ou 4 ans avant. Donc c'est surtout ça qui est intéressant, c'est de voir si la population augmente, stagne ou diminue. Le dernier chiffre connu, c'est 580 loups. Évidemment, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'il pouvait y avoir autrefois. Il y avait peut-être 10 000 il y a 2 siècles, ou des chiffres comme ça. En Espagne ou en Italie, il y en a plusieurs milliers aussi. Je parle pas de l'Europe de l'Est ou du Canada ou de la Sibérie où il y en a encore plus. Donc c'est un animal qui est encore fragile au niveau de son statut dans l'environnement. C'est pour ça qu'il est protégé, théoriquement. Parce qu'en pratique, il est protégé, mais on en flingue quand même pas mal. Combien à peu près l'année dernière, par exemple en 2019, c'est de quel ordre? Le nombre de loups tués, Ouais. c'était une centaine, je crois. On en tue pas mal. Tous les ans, c'est réglé ça par le plan loup, qui était un espèce d'outil que l'État s'est donné pour essayer de gérer cette population de loups qu'il faut à la fois protéger parce que c'est une espèce en danger et en même temps contrôler, réguler parce que le monde de l'agriculture et les éleveurs ne veulent pas de loups, enfin pas tous, enfin c'est tout un débat. Enfin, le résultat, c'est qu'on en tue effectivement quand même pas mal. Et là, on peut peut-être déjà porter une espèce d'avis là-dessus, c'est que tuer des loups, ça n'empêche pas les loups de revenir, d'autres loups de revenir. Et donc c'est une espèce de solution qui ne apporte rien par rapport à l'envie qu'on a de préserver cette espèce pour toujours, et en même temps d'essayer de limiter les dégâts qu'elle fait au troupeau. Donc c'est un pis-aller, quoi, disons. D'accord. Pardon, 580 loups à peu près. Pour qu'un loup soit déclaré loup, il faut que les experts de l'OFB puissent récupérer des poils ou des crottes pour faire des analyses ADN, ou qui voient des photos qui sont suffisamment parlantes, suffisamment nettes, etc., pour pouvoir dire oui, c'est bien un loup de l'espèce plus italique. Parce qu'il y a une, parlait des hybrides tout à l'heure, il y a une grosse similitude entre un loup et un chien loup tchèque, Ouais. ou un chien de Saarlouis, qui sont des espèces hybrides qui ont été créés par l'homme, par les amateurs de chiens en fait, hein, et qui ont une espèce de capacité à s'évader de leur niche assez forte. Ouais. Et dans ma région, il y a eu pas mal, le dernier chiffre que je connais, mais il y en a sûrement beaucoup plus, c'est autour d'une quinzaine d'observations signalées à l'OFB. J'ai vu un loup à tel endroit, et en fait, il s'agissait très souvent de chiens. Ouais. De chien loup tchèque ou de chien loup Saarlouis, même de D'accord. berger allemand ou d'autres espèces, ou même de renard et de sanglier, c'est arrivé aussi. Donc la seule manière de valider une observation, la seule manière très fiable, c'est de faire une analyse ADN. Pour ça, il faut trouver les poils, il faut trouver les crottes. Si on apporte une photo, il n'y a pas de trace de poils ni de crottes sur la photo, donc il y a juste une Ouais. observation visuelle. Si l'observation est signalée 2 mois après qu'elle ait eu lieu, j'ai vu un loup au mois de mai à tel endroit de nuit à 400 mètres, là on peut rien contrôler non plus. Donc c'est un petit peu compliqué et on valide ou on ne valide pas. Bon, okay. Est-ce que vous avez des chiffres, vous en avez rapidement parlé tout à l'heure, des chiffres de l'évolution de la démographie des loups durant les derniers siècles en France?
des estimations en tout cas. Les estimations ne paraissent pas très fiables parce que c'est souvent le résultat de cogitations intellectuelles compliquées de la part des gens qui n'ont peut-être jamais vu le loup de près, ni de loin, mais qui, sur la base de certains comptes rendus ou de certains écrits eux-mêmes invérifiables, estiment qu'il est possible que. Alors, on peut retenir le chiffre de plusieurs milliers, 10 000, ça paraît quelque chose d'à peu près d'acceptable. Par contre, ce qui est très fiable, ce sont les données qui sont état du nombre de loups tués, donc ayant donné lieu à des paiements de primes par l'État aux types qui les ont tués. Ouais, vous alors, utilisez beaucoup ces données dans. Au 19e siècle. Pardon? Vous utilisez beaucoup ces données dans vos livres précédents. Oui, tout à fait. Et sont connus, il y a la Société des agriculteurs de France et puis les journaux scientifiques du 19e siècle principalement qui donnent les chiffres. Au moment où le loup a commencé à disparaître, enfin à régresser fortement, c'était publié mensuellement. Donc on peut voir la dégringolade progressive du nombre de loups. D'accord, ok. Et là, ce sont des estimations qui sont intéressantes parce qu'elles sont chiffrées et on peut vérifier. Certificats qui ont été faits par les maires pour prouver que M. Tartampion avait bien tué un loup et donc il a le droit à la prime, etc. Et là on se base sur des archives qui sont incontestables, et non pas seulement sur des sentiments ou des extrapolations de choses moins fumeuses. D'accord, ok. Et à quelle époque le loup a commencé à disparaître, a fortement régressé en tout cas, et à quelle époque il a disparu? Oui, alors si on remonte très très loin, le premier homme de pouvoir qui a décidé qu'il fallait exterminer le loup et arrêter de trouver que c'était un copain, c'est Charlemagne. D'accord. Puisqu'il y a des peuples qui acceptent les animaux, hein, les Indiens par exemple, et d'autres qui les acceptent pas. En Europe occidentale, c'était ça. Et Charlemagne a voulu qu'on fasse la guerre au loup parce que c'était mal compris de se laisser concurrencer par les animaux sauvages. Donc il a créé un corps spécial de chasseurs de loups, qui s'appelait les loups parés, les ancêtres des louvetiers. On a commencé à faire la guerre aux loups à cette époque-là. D'accord. Alors après, je saute quelques siècles, parce que sinon on y sera encore dans 8 jours, pour dire qu'en France, il est disparu quasi totalement, grossièrement, autour de 1930-1940. D'accord. Alors, il y a des chiffres qui se baladent en boucle dans tous les bouquins et là, partout, qui donnent comme date 1937, etc. Mais on s'aperçoit quand on fait des études un petit peu, des recherches un petit peu fines, pointues, quand on cherche la petite bête pour trouver la grosse, qu'en fait, il y a des observations qui ont été faites bien après. Et donc, ce sont soit des résidus de loups qui n'avaient pas disparu, hein, des restes de populations relictuelles, soit les animaux en vadrouille, ou les animaux échappés. Alors là, on en trouve pratiquement jusqu'aux années 90. Mais comment savoir que ces observations de loups, justement, sont des vrais loups, ou pas pas des chiens, ou voilà Eh ben, c'est pratiquement impossible. Et moi, j'ai fait un petit bouquin qui s'appelle « Le loup en France au XXe siècle », pompeusement, pour répercuter toutes les observations de loups que j'ai pu trouver en utilisant la presse locale, en utilisant les archives dans toute la France, année par année. Et je me suis rendu compte à ma grande stupéfaction qu'il y avait des observations pratiquement tout le temps, jusque dans les années 60 à peu près. Puis après, c'était un peu moins fréquent. En 1977, on en a encore trouvé. L'an 1, normalement, de la réapparition du loup, c'est 1992. L'an 0, c'est autour de 1900, on va dire 1937. Mais entre les deux, il y a eu plein d'observations. Alors votre question, c'est est-ce que c'est fiable ou pas? Eh bien, j'en sais rien. Parce que lorsqu'on lit dans un journal quelconque qu'on a tué un loup à Étampes en 1914, qu'en forêt de Montargis, des loups en 1918, je crois, de mémoire, ont mangé les casse-croûtes de la bûcheron et qu'on disait qu'il y avait des loups encore à tel endroit, lorsqu'on a des témoignages comme ça, souvent dans la presse locale, parfois dans les archives, eh bien, on se dit que c'est sur les indices qui montrent que peut-être le loup n'avait jamais vraiment complètement disparu, mais qui en même temps sont difficiles à manipuler parce qu'on n'en est pas certain. Ça reste que les témoignages écrits, d'accord, humains, ouais, avec toutes les erreurs possibles. D'accord, ok. Donc,
Si on se résume, il a globalement disparu au moment de la dernière guerre mondiale, à peu près, 1937-1940. Il y a eu quelques apparitions ponctuelles après, par-ci par-là, mais peu significatives. Et puis un retour du loup venu d'Italie, hein, puisqu'il y en avait encore là-bas, dans les années 90. Au niveau des régions, autrefois, au moment de sa disparition, les régions principalement concernées par le loup, c'était le Poitou-Charentes, dans le centre-ouest. Hein, c'est là où les dernières meutes reproductrices ont été repérées d'une manière fiable, en Bretagne, l'est de la France aussi. Donc ça c'est pour dresser un tableau très très rapide des dernières grandes zones à loup. Hein. Et puis après, au moment de sa réapparition en 1990, ça a d'abord concerné les Alpes-Maritimes. Alors on sait que le loup était protégé par l'État italien depuis les années 70, parce qu'il y avait très peu qui restaient dans les Abruzzes. Donc ils ont fait une opération qui s'appelait l'opération Saint-François, du nom de Saint-François d'Assise, qui avait comme objectif de protéger les espèces animales qui étaient encore présentes là-bas. Et donc, cette politique-là, qui a été soutenue par la WWF à l'époque, a permis à telle espèce-là de se refaire une petite santé numériquement parlant. Mmh. Et le loup a commencé à reconquérir le territoire qu'il avait perdu vers le sud, vers la Calabre, et vers le nord, suivant la chaîne des Apennins, jusque dans le Mercantour. Donc le Mercantour et les Alpes-Maritimes ont été le département le plus concerné directement, mais ensuite ça s'est étendu. Et aujourd'hui, aux Provence, à la Drôme, à la Savoie, etc. Et maintenant, toute la France est concernée à un moment ou à un autre, peut être concernée par la présence du loup, ponctuelle ou non. Parce qu'il peut faire des tas de kilomètres pour s'implanter ailleurs. Et là, donc, les principaux foyers de peuplement donc permanents, entre guillemets, donc c'est le quart, c'est quoi? C'est le quart sud-est? Tout ça, c'est ça, oui. D'accord. D'accord. Le loup est un super prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ses proies principales en France? Et puis, quel a été l'effet de sa disparition sur les populations d'animaux sur le territoire? Oui. Alors, c'est un super prédateur, mais qui ne dédaigne pas des proies plus petites que celles qu'on lui prête volontiers. En théorie, comme ça, si on veut simplifier à l'extrême, c'est le prédateur du chevreuil, par exemple, hein, du cerf. Mais en fait, il est capable de manger n'importe quoi, tout ce qui se présente, et même des fruits. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler du loup à cause des dégâts qu'il fait dans les troupeaux de moutons, quand ils ne sont pas gardés. Mais on sait aussi par des études stomacales et autres que les proies favorites du loup, ce sont les proies sauvages, bien avant les moutons. Ils n'attaquent les animaux domestiques que parce qu'ils sont faciles à attraper, mais normalement, il va plutôt aller vers les proies sauvages. Alors, vous me parlez des animaux qui ont pu souffrir de la présence du loup, ce qui revient ou de l'absence. C'est l'histoire du mouflon. Dans le mouflon c'est quoi? C'est un mouton, en fait, qui n'avait rien à faire dans les Alpes, dans le Mercantour, parce que les premières polémiques qui ont eu lieu à l'époque de son retour en 80, c'est par rapport au mouflon. En gros, les opposants au loup nous disaient, oui, mais alors il va décimer la population de mouflons. C'est encore un argument qui a été ressorti très récemment par le président de la Fédération nationale des chasseurs. Oui, bien sûr, mais bon, il faut savoir que le mouflon, il n'avait rien à faire là, puisque c'est un animal qui est en Corse. Il ne sait pas se défendre dans la neige, par exemple, mais effectivement, le loup, il a trouvé que c'était bien sympathique qu'on lui serve sur un plateau une nourriture facile d'attraper comme le mouflon. Donc, effectivement, le mouflon a pas mal trinqué au niveau de ses effets. Si le loup revient, il fera peut-être la même chose un petit peu avec les sangliers. Dans une moindre mesure, parce que le sanglier, ça se défend davantage. Et là, ça sera peut-être pas mal, parce qu'il y a effectivement une surabondance de sangliers partout, qui fait râler tout le monde. Les chasseurs qui doivent payer des dégâts, les agriculteurs qui subissent des dégâts, enfin, c'est très compliqué. Donc en fait, protéger le loup, ça veut dire essayer de reconstituer un espèce de bout de nature à peu près équilibré, et c'est très très ambitieux et pas facile du tout. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, les Américains qui ont été les premiers à faire des études sur le loup ont constaté que là où le loup est de nouveau présent, puisque eux en ont réintroduit volontairement à Yellowstone, dans le parc de Yellowstone, eh bien, ça changeait l'ordre des forêts, pour reprendre leur expression. Qu'est-ce que ça veut dire derrière cette belle formule? Ça veut dire que si le loup diminue
par sa prédation, les populations d'ongulés qui, elles, sont des prédateurs, si on peut dire, de la végétation, eh bien, ça va faire du bien à la végétation. Et quand on change la végétation, ils ont fait un film qui s'appelle « Quand le loup change les rivières », si la végétation n'est pas la même, s'il y a à nouveau des saules qui poussent et des plantes aquatiques comme ça, le castor va revenir, certaines espèces d'oiseaux, etc. Donc c'est une espèce d'illustration un petit peu caricaturale, mais quand même, du fonctionnement de l'écologie et qui est intéressante. Si on a un milieu qui est dénaturé, on met une espèce qui était là avant mais qui n'est plus dedans, qu'on la laisse venir, eh bien effectivement il va se produire des choses qu'on ne peut observer que sur le long terme d'ailleurs. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des espèces clés de voûte? Est-ce que le loup est une espèce clé de voûte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une espèce clé de voûte et l'impact que peut avoir sa protection sur l'ensemble de l'écosystème? Oui, alors une espèce, le terme clé de voûte ou espèce parapluie, ce sont des expressions qui ont été inventées par le monde naturaliste, en gros, pour expliquer à la population, à l'opinion publique, que si on protège une espèce qui est un petit peu compliquée à protéger, en fait, on protège tout ce qu'il y a dessous, tout ce qu'il y a derrière. Protéger le loup, ça veut dire beaucoup de choses. Hein, protéger, enfin, disons, l'accepter dans le milieu naturel, ça met en cause une philosophie de l'omniprésence de l'homme dans l'environnement, dans la nature. Ça donc nous questionne sur un plan politique, hein, philosophique, moral, tout ce qu'on voudra, et puis aussi sur le plan technique, parce que supposons que dans une forêt quelconque, il n'y a pas de loup et qu'il y ait beaucoup d'ongulés qui vont abîmer la forêt, si on met du loup, le loup revient plus exactement, parce qu'on n'en remet pas, enfin il revient du sol, si on le laisse revenir, si on arrête de le tuer, en gros, hein, eh bien ça va modifier effectivement le milieu. Les chamois ou les chevreuils vont avoir des comportements qui vont plus être des comportements d'animaux domestiques, qui vont peur de rien, mais qui vont à nouveau se méfier du prédateur qui rôde dans le coin. D'ailleurs, je crois que dans le Mercantour, des expériences comme ça, de regarder des chamois de route et de calculer, en fonction de la présence du loup ou pas, combien de temps ils mettent pour relever la tête. Alors, en zone à loup, ils relèvent la tête beaucoup plus souvent pour regarder autour d'eux. Est-ce que vous pensez qu'il y a tout simplement assez de place en France pour qu'une population, on va dire, significative de loups s'y installe, les 500 loups qu'il y a, ou 600, est-ce qu'ils ont assez de place pour vivre à cette proie, à cette zone sauvage? On entend parfois l'argument comme quoi les loups peuvent pas s'installer en France, on n'a pas de grandes forêts comme en Alaska, comme en Sibérie. Non, faire cette réflexion, ça veut dire avoir une mauvaise idée de ce qu'est le loup réellement dans son milieu. D'accord. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est un animal qui volontiers vit auprès de l'homme. Les photos de loups qui sont faites le montrent souvent sur les chemins ou les routes qui sont empruntées par l'homme. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accidents avec les voitures, hein, les loups qui sont percutés par les voitures ou par des trains. On a vu des loups qui ont été filmés sur des pistes par les gens qui conduisent les machines à damer les pistes, là. D'accord. Des photos ont été faites. On a des tas d'exemples. Il y a un film, un des premiers films qui a été fait sur le loup en liberté en Europe, les portugais, où on voit des moissonneuses bateaux énormes qui moissonnent le blé, et puis derrière, il y a des loups qui se baladent, pas du tout préoccupés par ça. En Roumanie, une louve a été récupérée, blessée, elle a été soignée, on l'a équipée d'un système émetteur, et avec ça, on pouvait suivre ce qu'elle faisait. Et on a posté des caméras sur le chemin qu'elle empruntait pour pouvoir la filmer, et on s'est rendu compte à cette occasion-là qu'elle traversait à 5h du matin la ville de Brasov, qui a quand même 4 ou 500 000 habitants. Et il y a une meute à 30 km de Rome, enfin, etc. On pourrait continuer comme ça, on établit une liste, on se rend compte que le loup peut vivre au côté de l'homme sans aucun problème. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de place en France, parce que normalement la place du loup, c'est dans les forêts enneigées de Sibérie, ben, ils ont trop lu Jack London. En fait, c'est pas la vraie vie du loup, c'est pas ça. C'est pas un animal de montagne, c'est pas un animal inféodé aux grands champs de neige. Il y en a, le loup blanc de l'Arctique, par exemple. Mais il y en a aussi dans les régions extrêmement urbanisées.
Le loup donc s'est répandu rapidement en France depuis 1992 et son retour officiel. Comment expliquer une si rapide dispersion? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le mode de déplacement du loup, de reproduction, etc. Oui, alors le mode de dispersion, on appelle ça d'ailleurs effectivement la dispersion, hein, le fait que les jeunes loups quittent le noyau familial, quittent la meute pour aller s'installer ailleurs, il a été calculé par des experts qu'en moyenne, un jeune loup quittant sa famille s'installe à environ 200 km d'elle. 200 km. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait 200 km et qu'il s'arrête épuisé pour installer son campement. Il peut en faire beaucoup plus, aller, revenir, etc. Et en effet, grâce à la miniaturisation des systèmes électroniques, GPS et compagnie, parce qu'avant, il fallait mettre une antenne de télé sur la tête des animaux pour maintenant, c'est beaucoup plus simple, on met une puce et on peut suivre leur déplacement d'une manière plus rationnelle, plus efficace et plus précise. Et donc, on a constaté des déplacements absolument considérables en France, en Italie, dans le nord de l'Europe, aux États-Unis, qui peuvent aller jusqu'à 1000 km. Ça ne veut pas dire qu'ils s'installent, ça veut dire qu'ils passent. Et quels sont les facteurs qui font qu'un loup va s'installer dans une région ou va continuer sa route lors de sa dispersion? Très probablement le couvert végétal, c'est-à-dire une certaine tranquillité. Même s'il est capable de vivre près de l'homme, il va quand même lui falloir des zones de tranquillité. Et puis, il faut surtout à manger. C'est évident que s'il n'y a pas à manger, il va chercher ailleurs. D'ailleurs, le loup qui a été vu dans le Loir-et-Cher il y a 2 jours, la photo qui en est faite, montre un agneau assez efflanqué, assez maigre. Mmh. Et oui, mais ça fait partie de la vie normale du loup que d'être tout le temps en train de chercher pitance et de ne pas forcément la trouver toujours. D'accord. Et bah, ça nous amène justement à la partie sur l'élevage, le rapport entre le loup et l'élevage. Je crois que l'année dernière, il y a eu environ 12 500 brebis tuées. Je crois que c'est les chiffres qui ont été donnés. Est-ce que tous les loups vont attaquer des brebis? Est-ce que c'est plutôt des jeunes? Est-ce que c'est par manque de proie? Par facilité parce que c'est simple d'attraper un animal domestique par rapport à un animal sauvage? Quels sont les facteurs qui font qu'il y a prédation sur du bétail domestique? Eh bien, ce sont les choses que vous venez de nommer. En fait. D'accord. À la fois la facilité, parce qu'il est plus facile d'attraper un mouton, il n'est pas protégé par les chiens de protection, les filets, les bergers, etc., que de courir après un chevreuil qui ne va pas forcément se laisser faire, à plus forte raison, par un sanglier qui a des moulins de défense. Alors, il paraît aussi, alors là, bon, c'est un élément qu'on peut essayer de mettre en avant. Il semble que les tirs de loups un petit peu faits de manière un peu incontrôlée, soit un élément perturbateur qui déséquilibre la stabilité de la meute et qui augmente en fait les risques de dégâts faits par des jeunes loups qui n'ont pas eu le temps d'apprendre comment on pouvait chasser. Et on a vu d'ailleurs une vidéo qui a fait un petit peu scandale parce que les éleveurs qui n'étaient pas d'accord avec ça. Il y a un jeune naturaliste qui a filmé un loup de nuit qui a été tué par la brigade de tir. Et on voit le loup s'approcher d'un troupeau de moutons et puis passer. En fait, ça ne l'intéresse pas. Apparemment, il cherche autre chose et il se fait tuer. Et donc, la conclusion que l'on tire un petit peu de tout ça, c'est qu'il faut aussi laisser un petit peu le loup vivre normalement sans vouloir à tout prix, tout le temps, réguler sa population parce que ça peut apporter des problèmes plus importants que de le laisser un peu tranquille. En fait, ça pose le problème de la place qu'on laisse au loup. Autrefois, on disait qu'on laissait la part du loup. J'ai sorti ça. On laisse la part du loup. C'est-à-dire on accepte finalement qu'il mange un peu de gibier. Alors, c'était peut-être des gens un peu violents, autrefois beaucoup plus radicaux que nous, hein, mais en même temps, ils avaient une espèce de sagesse qu'on a pu. C'est la part du loup, ça veut dire admettre qu'il peut aussi avoir le droit d'être là, de manger, et qu'il ne faut peut-être pas trop s'affoler avec ça. Alors ceci dit, les éleveurs, il y a toutes sortes de catégories d'éleveurs, ceux qui font partie d'une espèce de groupe un petit peu violent, extrêmement hostile au loup, à l'ours et à toutes sortes de choses. Il y a aussi beaucoup de la masse, je pense, des éleveurs qui cherchent juste le moyen d'essayer de limiter la casse.
et qu'ils le font avec de la bonne volonté. Et quels sont justement les moyens de limiter la casse? Qu'est-ce que vous pensez des mesures qui sont actuellement mises en place, notamment par l'État, avec des aides, des dédommagements, des aides financières pour avoir des patous, tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures-là? Est-ce qu'elles sont efficaces selon vous? Alors, moi, je ne suis pas éleveur. Hein. Ouais. Donc, je n'ai pas d'avis sur la manière de garder les moutons. J'aime bien répondre ça, c'est une espèce de pirouette. Mais c'est aussi pour dire, c'est vous les professionnels de l'élevage, c'est à vous de trouver les solutions. Il y en a qui le font d'une manière intelligente et d'autres qui refusent absolument. Ce serait un peu présomptueux de dire, depuis la ville où j'habite, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de oui. faire. Ce qu'on peut dire, et ça c'est pas original de ma part, je redis ce que j'ai déjà lu une tas de fois venant de gens qui sont sur le terrain, sur place, que lorsque il y a conjonction entre des regroupements nocturnes, des bergers présents, effectivement présents, hein, pas ailleurs, présents, et puis des chiens de protection intelligemment implantés dans le troupeau, ça c'est important aussi parce qu'on ne peut pas, sous prétexte qu'on a acheté un patou, d'un seul coup s'imaginer qu'il va défendre le troupeau. Il faut aussi qu'il soit éduqué, il faut que l'éleveur, le berger plus exactement, sache comment on fait pour que ce chien fasse son travail, etc. Donc il y a un ensemble de choses. Alors, il y a des moyens financiers qui permettent normalement aux éleveurs de bonne volonté de limiter la casse, peut-être pas à 100%, mais de la limiter considérablement. Et apparemment ceux qui ont testé ça, peut-être mal vu de reste de la corporation, mais ça fonctionne. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire non plus que c'est la solution parfaite, idéale en tout temps. Il y a aussi des touristes qui se font bouffer les mollets par des patous, parce que les touristes en montagne, lâchés comme des... pas comme des loups, mais lâchés comme des... je sais pas quoi, ne se comportent pas forcément d'une manière intelligente dans le milieu naturel. Et le berger avec son troupeau, ça fait aussi quelque part partie du milieu naturel, aussi respecter leur travail. Donc c'est un problème aussi de relationnel humain qui est complexe. D'accord, ok. Une des mesures proposées par l'État, donc le tir de défense et le tir de régulation. Les opposants à la présence des loups, ils sont extrêmement favorables. Les défenseurs du loup, ils sont complètement opposés. Vous, en tant qu'observateur du loup, vous qui avez écrit là-dessus, qui étudiez le sujet, est-ce que vous voyez une efficacité dans cette mesure ou pas du tout? C'est très compliqué parce que c'est le préfet d'un département qui va décider qu'on autorise ou pas, après avoir écouté les experts de l'OFB, un tir de défense par exemple. Par exemple, dans le cas de tout à l'heure, là où je parle de ce jeune photographe là, qui filmait un loup et qui a été tué sous ses yeux, le préfet a donné le feu vert pour ce tir de défense. Ceux qui se sont opposés à ce tir-là, disent qu'en fait, il a surtout cédé à une espèce de pression sociale, politique peut-être. Hein. On ne peut pas éliminer d'un seul coup, comme ça, l'idée que pour avoir la paix sociale, on va donner des autorisations de tir qui ne sont pas forcément justifiées d'un point de vue technique. Alors là, c'est très compliqué parce qu'il y a les experts de l'OFB qui donnent un avis, il y a les pour et les contre qui s'enflamment et qui donnent aussi leur avis, et puis au milieu de ça, il y a des fonctionnaires type préfet qui sont obligés de donner de là. Alors, est-ce qu'on tue ou est-ce qu'on ne tue pas? Si on ne tue pas, il y a toute la sphère, disons, hostile au loup qui va s'enflammer. Et puis, si on tue, c'est l'autre camp qui va hurler au loup, je veux dire. Donc, en fait, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est dédramatiser un petit peu cette question de gestion du loup, parce qu'il y a quand même gestion, qu'on le veuille ou pas, même si c'est une espèce protégée, sous condition, en fait, dans la pratique c'est ça, hein, puisqu'on en tue quand même beaucoup. À ceux qui sont excessifs dans l'autre sens, c'est-à-dire les gens du monde écologiste, naturaliste, les défenseurs du loup, appelons-les comme ça, gens que je connais bien, dont je fais quelque part un peu partie, évidemment, je dirais aussi qu'il ne faut pas non plus hurler forcément, toujours, tout de suite et fortement, si on se débarrasse d'une espèce animale quelque part, d'un individu qui est manifestement extrêmement déviant ou gênant. Donc, moi, je veux bien qu'on hurle dès qu'on touche un poil de queue de loup. Je comprends qu'on réagisse contre ça. Mais en même temps, je me dis que ce n'est pas forcément très sérieux de le faire. Il faudrait rester sur
sur des comportements un petit peu calmes et voir si de bonne foi tel éleveur a raison de se plaindre ou pas. Et donc c'est C'est... compliqué parce que ça suppose que les gens seraient capables de s'entendre entre eux pour assurer à la fois l'avenir d'une espèce animale, et donc derrière ça, par l'espèce parapluie, tout ça, tout l'environnement qui trinque ensemble beaucoup, et en même temps le gagne-pain d'un certain nombre de gens qui élèvent des moutons pour la nourriture des hommes, quoi. Et donc pour finir sur cette question donc du rapport entre le loup et l'élevage, est-ce que vous y croyez ça, cette cohabitation entre le loup et l'agropastoralisme, où vous pensez que c'est soit l'un soit l'autre en gros? Est-ce que vous pensez que Je c'est pense que possible? l'agropastoralisme, au-delà du côté folklorique, il a du plomb dans l'aile pour des raisons économiques qui n'ont rien à voir avec le loup. Que ceux qui disent qu'à cause du loup, vont disparaître, nous prennent pour les imbéciles. Ce n'est pas ça du tout. Je pense qu'il Un facteur faudra aggravant? arriver effectivement à cette cohabitation. Elle est possible, puisque dans certains pays ça fonctionne. Dans quel pays ça fonctionne? Dans les pays où on n'a pas perdu l'habitude du prédateur. C'est-à-dire où on sait que le loup existe. Et donc on fait avec. Est-ce que là le problème c'est pas plutôt la taille des troupeaux Voilà. par rapport aux espaces dans lesquels ils pâturent? Pour les garder, c'est compliqué. Alors la taille des troupeaux, c'est un élément qui certainement est le plus gênant pour arriver à obtenir une cohabitation harmonieuse. Par exemple en Italie, où on fait des moutons pour le fromage, on a des plus petits troupeaux qu'en France. Donc c'est plus facile évidemment avec un petit troupeau de le rentrer le soir, de le mettre dans une étable, une bergerie, derrière des grillages. C'est plus facile d'avoir un ou deux chiens de protection que ici, si on a 2 ou 3 000 moutons qui pâturent sur des grands espaces. Alors il y a aussi des problèmes économiques, enfin des problèmes financiers, puis des problèmes de mentalité à notre époque. Par exemple, on ne peut pas comparer le gars qui habite dans le sud de la France et qui emmène tous les ans des troupeaux par camion dans les Alpes pour pâturer. On ne peut pas comparer son état d'esprit avec celui d'un pauvre paysan roumain qui a toujours été habitué à subir finalement les aléas de la vie, les prédateurs compris, et qui quelque part accepte la présence du loup parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Voilà, il y a une espèce d'habituation qui est liée aussi aux conditions de vie et aux conditions sociales. Habituation qui est difficile à réimplanter en France, puisque la société et le monde a changé. Et voilà. Et alors, il y a aussi tous ces problèmes économiques forts qui sont les histoires d'importation de moutons de Nouvelle-Zélande, avec une filière ovine en France qui, manifestement, n'est pas en très très bon état, comme un certain nombre d'autres filières agricoles. Et donc, c'est à mon avis une raison supplémentaire pour que ce problème du loup soit dédramatisé et qu'on l'envisage de manière pragmatique, et non pas sous l'effet de la passion. D'accord, ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Là, on a beaucoup parlé de l'élevage. Est-ce que vous voulez revenir sur le loup en tant que tel, sur la place qu'il a dans les écosystèmes français? Non, je pense qu'on a été assez complet. Ok, merci. Au revoir. Bye bye, au revoir.